Bonjour à tous et bienvenue à cette plénière de clôture du salon e-commerce Paris 2013. Je suis Jérôme Bouteillé, journaliste pour le groupe Netmedia Europe. Et donc je vais animer cette table ronde en présence de mes invités. Alors, le gourou américain Joseph Pine explique que la valeur ajoutée n'est aujourd'hui plus dans les matières premières, n'est plus dans les produits, n'est plus dans les services, mais elle est dans la capacité qu'ont les entreprises à proposer une expérience unique à leurs clients. Mais comment construire cette expérience? Quel est le rôle du web et des nouvelles technologies? Et surtout, est-ce que toutes ces innovations apportent un retour sur investissement? C'est ce que nous allons essayer de comprendre autour de cette table ronde. J'ai autour de moi 5 prestigieux invités. Je vais le faire dans l'ordre. Bonjour Anthony, vous êtes Anthony Lecourtès. Vous êtes responsable Bonjour. E-business de legalet.com. En deux mots, Legalet, c'est quoi? Bonjour à tous. Donc Legalet, nous sommes distributeurs de produits de quincaillerie, bâtiments, agencements, plomberie et outillage, donc à destination des professionnels, donc on est en B2B. Voilà, donc on distribue nos produits dans toute la France. Nous avons 12 points de vente, 150 commerciaux itinérants, 200 commerciaux sédentaires dans notre centre d'appel et surtout des outils mobiles. Sur lesquels nous allons revenir dans quelques instants de votre présentation. À votre droite, Pascal Brousse, bonjour. Alors, bonjour. Vous êtes plutôt consultante à la tête de Trending Source, c'est bien ça ? Trend Sourcing, pardon. Vous y êtes presque. Oui, c'est une agence de tendance. Nous sommes spécialisés dans les tendances de consommation. Nous travaillons en prospective de manière internationale, essentiellement sur le domaine de la beauté, santé, et tout ce qui contribue au mieux-être du consommateur, dont le retail et le digital en font amplement partie. Très bien, merci. À votre droite, Cyril Olivier, bonjour. Vous êtes le directeur web de Kiabi.com. Comment est-ce qu'on vous présente le spécialiste de la mode à petit prix? C'est ça, je crois, votre slogan? Spécialiste, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, la mode à petit prix. Kiabi, est-ce que je peux vous dire, on est présent dans 5 pays en web, un peu plus en magasin, à peu près un peu plus de 450 magasins, majoritairement en Europe. Merci. À votre droite, Patricia Trinquant. Bonjour Patricia. Bonjour. Alors, vous êtes responsable marketing et communication à l'UCPA, une association qui vend des voyages sportifs. Tout à fait. Alors une association certes, mais une grosse association qui pèse à peu près 200 millions de chiffre d'affaires. Une association qui a pour vocation donc, de proposer des séjours de vacances sportifs. Ça, c'est un élément très fort de différenciation pour nous, avec une vocation d'accessibilité, donc mettre à la portée des jeunes. Et nous verrons comment vous faites pour toucher cette population dans un instant. Et à votre droite, Emmanuel Gréaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Vous êtes le cofondateur de Direct Optique. J'imagine que vous vendez des lunettes. Vous avez vu juste. On fera des jeux de mots sur la vision, toutes ces choses-là. On est à la base un pur player au niveau de l'optique et aujourd'hui on propose un service multicanal sur l'optique à petit prix. Et on y reviendra également dans quelques instants. Je vous propose de redonner le micro à Patricia qui va nous expliquer comment elle appréhende ce phénomène de l'expérience utilisateur. Alors excusez-moi, j'appuie sur l'écran, je ne sais même pas si c'est tactile, je ne crois pas. Allons-y, UCPA. Alors Patricia, on vous a demandé de plancher sur comment faire de l'achat une expérience unique. Quelle est votre réponse? Alors, pour nous à l'UCPA, faire de l'achat une expérience unique, c'est proposer bien plus que l'achat, c'est être aux côtés de nos clients ou futurs clients avant l'achat, après l'achat, d'être plus juste que des vendeurs, d'être aussi des amis, des compagnons, des experts qui les accompagnent. Donc de très nombreux points de contact avec nos clients, bien évidemment via nos différents canaux, le web, un réseau de 3 agences, dont en particulier un concepteur qu'on a ouvert l'année dernière à Paris, rue des Halles, qui est un élément important de notre stratégie, bien sûr des catalogues, toujours, et je le disais rapidement tout à l'heure, toujours une importance aussi du call center sur notre secteur. Voilà, et puis bien sûr les réseaux sociaux, ça je vais un petit peu développer, donc de multiples points de contact avec nos clients et futurs clients. Faire de l'achat une expérience unique, comme je disais, c'est proposer bien plus que l'achat. C'est notamment, on le voit ici, leur proposer un concept store totalement connecté. Donc je vous invite à y aller, rue des Halles. C'est un concept store avec des écrans partout où le client, avant son achat, mais aussi après, peut être totalement immergé
dans l'univers UCPA via, alors il y a des écrans qui proposent des vidéos d'activités, donc que ce soit avant votre séjour, après votre séjour, vous pouvez revivre votre activité, votre séjour à l'UCPA. C'est des vidéos réalisées aussi avec des partenaires, par exemple on travaille avec des partenaires comme la Fumar, Rossignol, etc., qui peuvent par exemple leur montrer des innovations techniques. C'est des soirées, on fait beaucoup de soirées. Par exemple, là, sur ce slide-là, vous voyez une soirée. On a la chance d'avoir une école de DJ à l'UCPA. Donc, on a des DJ qui animent, qui mixent en direct et donc qui font passer un bon moment à nos clients. Donc, vous voyez, c'est bien plus que l'achat. Donc, on comprend bien, vous avez transformé votre boutique en véritable boîte de nuit. C'est-à-dire que le spot, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de communauté virtuelle. C'est vrai que où est le slide. J'ai également un slide sur les réseaux sociaux, parce que comme je le disais tout à l'heure, on a considérablement développé notre communauté. On avait 7000 fans il y a encore 2 ans, on en a 100 000 aujourd'hui. Donc on a bien évidemment beaucoup développé notre communauté virtuelle, mais ce spot, c'est aussi une façon de matérialiser cette communauté et de donner l'occasion à nos clients ou futurs clients, bien évidemment, des prospects, de se retrouver, de faire la fête, de se rappeler leurs bons souvenirs de leur séjour à l'UCPA. Donc communauté virtuelle, communauté bien réelle au spot via des soirées privilèges. Par exemple, on a fait une soirée surf où il y avait des champions de surf. On organise par exemple des rencontres. On a avec nos experts sportifs, avec nos responsables produits, pour que les clients puissent chercher des conseils personnalisés. Donc, vous voyez, c'est bien plus que l'achat, c'est bien avant l'achat et bien après l'achat aussi via les réseaux sociaux. Vous aviez un slide sur les réseaux sociaux ? Oui, mais je crains que vous n'ayez ma première version. Bon, c'est pas grave. On peut dire deux mots. Juste... Alors oui. Voilà. Donc les réseaux sociaux à l'UCPA, c'est principalement Facebook. Donc comme je disais, il y a 2 ans, on avait encore que 4-5 pages Facebook. Aujourd'hui, on en a une centaine. Alors bien sûr, on a une page nationale sur laquelle on totalise à peu près 40 000 fans aujourd'hui. Mais on a aussi des dizaines, une centaine en tout, de pages Facebook pour tous les centres. C'est-à-dire qu'on travaille des sous-communautés, des clients qui sont allés dans tous les tels centres UCPA ou qui aimeraient aller dans tel ou tel centre. Ça peut être aussi des communautés sportives. Par exemple, notre experte plongée anime une page Facebook plongée pour réunir la communauté des plongeurs. Donc ça a été un point extrêmement important. Bien sûr, on est très présent sur Twitter et comme je l'expliquais tout à l'heure, on a vu notre cœur de cible, les 18-25, s'emparer totalement de Twitter cette année. Alors c'est plus compliqué pour nous parce que Facebook, c'est vrai, on maîtrise, c'est plus de l'information descendante, même si bien évidemment l'objectif, c'est que nos fans like, postent, etc. Sur Twitter, c'est plus de l'expression directe. Mais bon, finalement, on trouve ça génial parce que ça prouve on a un témoin de la satisfaction directe de nos clients. Là, et ça nous fait très plaisir aussi. Mais c'est vrai que là, c'est la liberté totale. Et il faut aussi apprendre à observer et pas vouloir tout maîtriser. Alors, vous êtes d'ailleurs, vous avez embauché un community manager, je crois, pour canaliser toutes ces pages. Totalement. Donc, comme je l'expliquais, chez nous, le community management est totalement internalisé. Donc, c'est un community manager qui a, au fil des mois, développé toutes ces pages. Donc, qui a une mission, évidemment, d'animation directe de la page Facebook nationale et qui fait de l'accompagnement. Et donc, qui lui-même anime, je dirais, une communauté interne UCPA qui, elle-même, anime des pages dans les différents centres, par exemple. Donc, il les accompagne, il leur donne des best practices. Et puis, il contrôle un petit peu aussi ce qui s'y dit. Donc, ça, c'est vrai que ça a été un travail tout à fait passionnant. Alors, Patricia, vous êtes donc très proactive en matière de réseaux sociaux. Vous êtes même capable quasiment de créer un réseau social dans votre point de vente expérimental du 14e, le spot, je crois. Oui, que c'est tout son à fait. Nom. Mais est-ce que ça fait vendre ? Alors, le spot, effectivement, je le confirme. C'est-à-dire que je dirais même qu'au-delà du spot, donc avec le spot, on a développé des programmes d'animation. Je vous ai parlé d'afterwork, de soirée experte, par exemple, de DJ session. Ça nous a aussi donné l'idée de développer plus d'animation dans nos 2 points de vente de province, puisqu'on a un point de vente à Lyon et à Nantes, de faire aussi des soirées d'experts, de faire venir des partenaires, des sportifs. Et aujourd'hui, même si les agences, ça ne représente pas une énorme part du chiffre d'affaires UCPA, c'est le canal en plus forte croissance. Et là, on peut dire que c'est vraiment l'effet spot et l'effet animation. Donc, effectivement,
Comme j'expliquais tout à l'heure, bien évidemment, quand on fait des animations, on mesure un ROI direct, c'est-à-dire qu'on essaie de faire un peu de vente le soir même de la soirée, de donner des bons de réduction. Donc ça, généralement, on peut mesurer les ventes en direct. Après, comme j'expliquais aussi, on ne peut pas non plus mesurer forcément de façon financière toutes les retombées d'une soirée comme ça, mais il suffit d'aller à toutes ces soirées et de voir comment, moi j'y vais très souvent, et de voir comment on retrouve les mêmes clients de soirée en soirée. On ne peut pas croire que ça ne contribue pas à la fidélisation, bien évidemment. C'est une expérience que vous pourriez généraliser à vos autres points de vente ? Tout à fait, on y songe. Alors c'est vrai que le spot, c'est quand même quelque chose de très coûteux. Alors on s'est appuyé sur un partenariat avec Samsung qui nous a permis du coup de faire un spot, enfin si vous avez l'occasion d'y aller, c'est vraiment des murs remplis d'écrans. Notre ambition n'est pas forcément de couvrir les murs de nos deux autres agences forcément entièrement d'écran. Après, c'est sûr qu'on va essayer de digitaliser, notamment via progressivement l'implantation de tablettes et de quelques écrans. Et puis surtout, je crois, continuer à développer ces programmes d'animation avec des communautés en chair et en os. Merci Patricia pour ce premier témoignage. On va donner le micro à votre voisin de droite, Emmanuel. Alors vous nous parliez donc de vision, d'optique. Vous êtes opticien. Alors il faut que je ressorte, excusez-moi, de PowerPoint. Et on va essayer d'en savoir plus sur votre stratégie pour rendre l'expérience de vos clients unique. Mais avant ça, je crois qu'on a une petite vidéo, si tout se passe bien. Sans doute un clic supplémentaire. Ah, raté. Bon, excusez-moi, l'expérience utilisateur se dégrade. Emmanuel, vous aviez une publicité pour nous montrer votre société. Donc, quelle est votre problématique ? Vous vendez des produits uniques à vos clients, c'est bien ça ? Alors, il faut savoir qu'à la base, Direct Optique, je l'ai cofondé sur la base d'un constat. Il n'y avait pas de lunettes de vue de qualité accessibles. Donc, on est à la base client. Moi, je suis très, très myope. Et donc, on a cherché à offrir des lunettes de vue de qualité. Et comment on y arrive en étant aussi rentable ? Parce que vous pouvez acheter des lunettes de griffes et les revendre à prix cassé, mais ce n'est pas comme ça que vous allez vivre, et surtout au niveau, sur un canal comme le web, où il y a une forte pression sur les prix. C'était de créer nos marques propres. Donc aujourd'hui, on a plusieurs marques propres. On a des marques aussi sous l'enseigne Direct Optique. Mais on s'approvisionne dans les mêmes usines, mais on peut permettre de les commercialiser 3-4 fois moins cher, que ce soit pour les montures ou pour les verres. Là, on voit sur le PowerPoint Monogram, c'est une marque qu'on a créée. Et donc Monogram, ce sont des montures qui sont faites dans le Jura, qu'on arrive à commercialiser à moins de 100 € avec des verres de qualité, donc qui ont les traitements inclus. Alors donc on comprend bien, ça fait à peu près 5 ans que votre société évolue sur le web, dans un environnement assez concurrentiel. Vous concurrencez les opticiens traditionnels, vous êtes également confronté à d'autres pure players qui sont très agressifs en termes de communication, et donc pour refaire de la marge, c'est passé par l'idée d'avoir votre propre marque et vos propres produits. Alors ça, c'est un des facteurs différenciants. Ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que qu'est-ce qui va rendre l'expérience unique ? Ça va être votre offre. Si vous n'avez pas une offre différenciante, surtout un acteur comme nous, il y a 5 ans, moi j'étais pas du tout dans l'optique. On avait tous les deux avec Karim un an d'expérience professionnelle en face de mastodontes qui pèsent des milliards d'euros, qui ont des milliers de boutiques. Donc il fallait offrir quelque chose de différenciant. Le fait de proposer nos propres marques est un aspect différenciant, mais il y a aussi pas mal d'autres solutions qui nous permettent de ressortir. Alors, je ne sais pas si c'est un des slides, mais vous avez pas mal également innové en matière de test des lunettes avec des technologies comme la réalité augmentée que vous avez testé assez tôt avec Total Immersion. On peut tout en dire fait. Un mot ? On peut dérouler. Il y a une des contraintes de l'achat de lunettes par Internet, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est la slide suivante, il me semble. C'est, bien sûr, mais comment on fait pour tester vos montures ? Alors, il y a plein de solutions qu'on a mis en place aujourd'hui qui vous permettent de pouvoir tester la monture. Alors, ça peut être de la prise de l'essai virtuel à partir d'une photo, l'essai à domicile, on vous envoie 4 paires chez vous, l'essai en magasin, on a nos propres boutiques, et aussi donc l'essai virtuel par la réalité augmentée. Donc, je pense que sur la slide suivante, on montre quelques exemples encore après. Donc voilà, donc aujourd'hui, vous pouvez avoir une modélisation de la monture sur votre visage.
Alors c'est un module qui est certes coûteux, mais complémentaire aux autres. On a des clients qui vont vouloir faire toute l'expérience d'achat sur le web et qui sont assez friands de ce type de solution parce que ça vous donne un premier rendu de la monture. Ça ne veut pas dire qu'après, ils ne vont pas faire un essai à domicile ou qu'ils vont passer en magasin, mais en tout cas, ça nous aide à transformer et ça rassure le client de se dire « bon, mais voilà, ça va me donner cette tête ». Vous disiez une solution coûteuse, quid du retour sur investissement. Est-ce que le taux de transformation est bon ? Alors, on a un bon taux de transformation. C'est une solution qui est appréciée par nos clients. Il y a plus de 70% des gens qui ont utilisé cette solution, qui trouvent ce module utile. Si on ressort un peu de l'aspect technologie, on a aussi donc l'essai à domicile, qui est utilisé par 10% de nos clients. On a un taux de transformation de 70%. Donc, mettre en place, aller plus loin qu'un simple site internet, permettre aux clients d'avoir vraiment cette expérience, pouvoir toucher le produit, le voir, avoir une relation client, j'en parle aussi par la suite, c'est très très important pour un achat qui n'est pas naturel. C'est quand même paradoxal d'être allé sur le web pour finalement revenir dans ce contact physique. D'ailleurs, je crois que vous avez ouvert des boutiques. Tout à fait. Donc, on a ouvert le site en mars 2008. On a ouvert un site à la base, c'est qu'on n'avait pas les moyens d'ouvrir des magasins. Donc le site internet, dès le départ, il a trouvé ses consommateurs. On était les premiers à faire ça. Et par la suite, on s'est rendu compte qu'on était un peu cloisonné sur une micro-niche. Donc l'optique par internet, à terme, ça devrait peser 5% du marché total. Aujourd'hui, c'est moins de 1%. On s'est dit, mais pourquoi pas faire des magasins maintenant qu'on a une clientèle qui est là, on fait du chiffre d'affaires, on est rentable. Donc en octobre 2009, on a ouvert un premier magasin. Donc ça veut dire qu'une bonne expérience client passe nécessairement par le magasin ? Pas forcément. Le client aujourd'hui, le consommateur, il ne se pose plus la question « je vais acheter sur internet » ou « je vais acheter en boutique ». Il veut que votre enseigne soit présente partout, sur le mobile, en magasin. Et sur internet. Le client, il veut pouvoir faire une partie de l'achat soit online, soit offline, mais il ne veut pas être restreint dans un canal spécifique. Un mot sur la personnalisation. De par votre activité, vous êtes obligé de personnaliser les verres parce que la plupart des gens n'ont pas les mêmes défauts. Vous avez, j'imagine, aussi une forte demande pour la personnalisation des montures. Quelle est la tendance chez vos clients ? Alors, on fait vraiment du sur-mesure. Chez Direct Optique, vous achetez une monture, mais aussi des verres qui sont adaptés à votre vue. Donc comment on y arrive ? C'est en ayant une organisation verticale et intégrée. Nous, on gère, ça va de l'approvisionnement à la fabrication jusqu'à la logistique et notre propre service client. Et on peut parler de personnalisation de masse dans votre cas ? On a lancé le site pour 1 500 €. On a généré 1 000 000 € de chiffre d'affaires en 2010. Pour atteindre le deuxième million, on a investi 500 000 euros pour optimiser notre système. 1 demi-million d'euros, ça nous a dimensionné. Donc aujourd'hui, on est capable d'un jour sur l'autre de faire 10 fois plus de commandes. Ça, c'est les contraintes de l'e-commerce, être capable de gérer une croissance exponentielle. En retail, en physique, c'est plus une droite. Mais c'est vrai que pour réussir dans un secteur comme le nôtre, sur du sur-mesure, il faut être bien structuré. En organisation, bien sûr. Très bien, merci. On va donner la parole à Cyril Olivier. Alors Cyril, vous êtes, je le disais, le directeur web de Kiabi.com, Kiabi tout simplement. On va voir votre présentation. Donc, comment vous avez appréhendé, vous, cette problématique de proposer à vos clients une expérience unique ? Je remonte. On s'est déjà posé la question de savoir pourquoi on pensait à Kiabi pour ce genre de sujet. Et donc, la face immergée de l'iceberg, on a fait parler de nous à partir de l'année dernière et cette année aussi, parce qu'on a fait des expériences de social shopping en magasin. Quoi dire de plus ? Quand on parle de communauté sur Facebook, on a la plus grosse communauté en France, avec plus d'1 200 000 fans. On a plus de 300 000 fans en Espagne. Rassurez-moi, vous avez tué personne à Nice pour avoir un tel chiffre. Non. Assez naturellement, hein, je vais pas forcément tenir
un discours politiquement correct vis-à-vis des agences, mais on n'a pas cramé un argent fou pour recruter ces clients-là. C'est plutôt une appétence à la marque et à l'offre qui a fait que. Je souscris complètement à ce qui a été dit sur le fait que le community management doit être dans la marque et piloté par la marque, ça c'est sûr. Et donc on est allé plus loin en se disant, vraiment c'est pas de la démagogie parce que c'est ce qu'on vit au jour le jour, on a une vraie connivence avec les clientes, même dans une relative impudeur, ça veut dire que sur Facebook, on accepte, et quand on parlait de la valeur, quelle valeur ça a, on se pose moins la question du ROI, du chiffre, que qu'est-ce que ça nous permet d'améliorer et d'apprendre tous les jours grâce à nos clientes en les écoutant. Je vais vous donner des exemples hyper basiques, mais il y a plein de marques qui ne le font pas, alors que c'est par ça qu'on doit commencer. Cadeau marketing de fin d'année, on est transparent, on leur dit voilà, on a à peu près un budget de temps, on hésite entre ça comme dotation, qu'est-ce qui vous dirait le plus ? Et là, je vous prie de croire que les réponses des clientes nous changent la manière de faire le travail. Sur le site, on a toujours la tendance d'être un peu anglophone avec des jeunes chefs de produits très marketing qui font des mots très anglais. On soumet les mots aux clients en leur disant, voilà, on crée une nouvelle catégorie, quel mot vous parle le plus ? Et ça, les clientes, être en interactivité avec nous, elles adorent. Vous auriez un exemple, par exemple, de terme anglais qui aurait été rejeté par vos clients ? Ah oui, tout ce qui est autour de panier persistant qu'on avait appelé wishlist, les favoris et compagnie, on a vite vu que ça ne leur parlait pas du tout et on est revenu à des choses très basiques. Quand on parle de vêtements de grossesse, si on l'appelait future maman ou des choses comme ça, ça leur parlait pas. On est revenu à des choses sans écouter Google, déjà écouter les clientes et vraiment interagir avec elles sur des choses très très simples. On a lancé, on a eu, et ça je peux pas le dire parce qu'on l'a pas encore sorti, en gros on voulait lancer une ligne de produits destinée à une certaine cible, on a ciblé cette cible là et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait une autre cible à côté qui en avait autant envie, voire plus que celle-ci. On a complètement changé le développement produit pour le faire avec elle. C'est très basique, c'est pas du tout ni quanti ni scientifique, mais ça nous permet d'être en interaction tout le temps avec les clients. Et aussi avec des choses pas forcément plaisantes. Hein. Faut accepter aussi une transparence. Quand on a 450 magasins, on n'est pas exemplaire dans tous les magasins. Donc moi-même, je fais du community management le soir et je lis ce que les clients disent sur notre comportement. Donc pour revenir à ça, c'est ça qui a été un peu la face immergée. On s'est dit, voilà, elles interagissent en magasin, sur le site. Quelle application on pourrait faire ? Je la fais courte, ce qui fonctionne, ce qui a fonctionné très bien, c'est la cabine d'essayage virtuelle. Là aussi, la différence entre les gens de marketing et la réalité des clientes. Nous, on s'est vu je vais liker et partager l'expérience avec mes copines. En fait, ce qui marche le plus, c'était plutôt des clientes un peu plus âgées, moins sûres de leur choix et qui se disaient, tiens, je vais valider avec ma copine le produit que j'ai vu en cabine d'essayage parce que j'ai pas du tout confiance en mon Jules. Il va me dire oui ou non de toute façon. Et ça, l'essayage virtuel en permanence, enfin en direct dans le magasin, ça a fonctionné. Alors Cyril, vous êtes allé un peu vite, donc réexpliquez-nous ce que vous avez mis en place. Donc... Ouais. Cabine d'essayage, elle est dans la cabine. Elle a donc, c'est un magasin test. C'était un magasin test à Vinobdask, près du siège. Cabine d'essayage. On se prend en photo avec la tenue qu'on est en train d'essayer et on partage la photo sur Facebook, c'est voilà, ça ? Voilà, on a la possibilité de l'envoyer tout de suite sur notre profil et dire voilà, avec des mots préfaits, donc elle n'avait pas à taper tout, en disant les filles, voilà mon look, qu'en pensez-vous ? Et c'est donc les copines de votre cliente qui vont recommander le look A ou le look B et la cliente du coup va acheter en fonction des retours de ses amis. Donc ROI, alors là, quel calcul de ROI sur des expériences comme ça ? Nous, ce qu'on a regardé, c'est quelle était la part de gens qui, étant passé en caisse, avait utilisé ces applis sociales et on était sur 10% d'utilisation. 10% des clientes d'un de vos magasins a testé votre cabine virtuelle. Ouais. Cabine virtuelle et vérifier les likes des produits. Parce qu'on avait aussi, alors ça, c'est pas une idée à nous, hein. On l'avait piqué d'un concurrent qui l'a fait au Brésil avec des cintres, hein, pour être clair. On a fait aussi ça, l'innovation, c'est des fois regarder ce qui se fait à côté. Est-ce que ces clientes avaient un panier d'achat supérieur à la moyenne ? Non, pas forcément. Non. C'est pas forcément sur le panier, c'est sur la fréquence et les interactions qu'on a beaucoup. Et est-ce que les copines de votre cliente sont venues au magasin après ? Ça, oui, ça, on l'a mesuré. Vous avez pu le mesurer ? Vous avez des chiffres ? Bah, on est sur des ratios assez classiques, à savoir qu'on a généré pour une cliente qui agissait 8 à 10 followers et on a identifié en général une à deux copines de cette cliente qui revenaient dans la semaine en magasin. Quelle est la part dans ces clientes qu'on n'aurait pas eu sans ça ? Mystère et boule de gomme, mais en tout cas on était satisfaits. Ce qui ne marche pas, c'est intéressant aussi de se le dire, parce qu'on est toujours là pour dire ce qui marche, tout ce qui est borne pour liker en magasin, ça ne les intéresse pas. Parce qu'elles sont dans un process de magasin, elles veulent aller vite, elles sont dans un process plaisir. Donc on en reparlera. Expérience unique, ça ne veut surtout pas dire unicité de l'expérience dans les médias. Sur le web, proposez-moi une expérience web. En magasin, proposez-moi une expérience magasin. Si c'est pour me retarder avec des écrans et me faire identifier, me loguer, ça ne va pas forcément m'intéresser. Je n'ai pas envie de me polluer dans mon process. Ça, c'est important.
Est-ce que cette expérience de cabine virtuelle va être élargie aux 400 magasins qui habillent ? On rejoint la problématique d'investissement industriel. Vous imaginez bien combien ça peut coûter. Quelques dizaines de milliers d'euros sur une semaine en magasin, déployé dans 400 magasins, c'est complexe, mais on y réfléchit. Ça, en tout cas, c'est des choses. Partage d'expérience et visuel, look porté par des clients dans le magasin, on se dit que ça va intéresser les clients, donc on y réfléchit. Voilà, on va déployer d'autres choses. On va avancer sur les slides, puisque vous nous avez dit d'aller vite. Oui, pardon, vous avez d'autres slides, j'avance rapidement. Donc ça, c'est la même chose. Les gens pouvaient regarder en magasin les produits les plus likés. Là aussi, c'était une vraie surprise, puisque comment la communauté nationale allait interagir pour des magasins, c'était dans un seul magasin. Donc en gros, la cliente du Sud allait-elle avoir envie de partager son expérience, alors que ça n'allait profiter qu'à des clientes du Nord dans un magasin. Et en fait, ça a excessivement bien marché. Enfin, on s'était fixé des chiches en se disant sur une semaine, on avait des produits à plus de 10 000, 11 000 likes et on n'aurait jamais cru que ça les aurait intéressés. Donc sans incentive, c'était juste du partage, elles avaient aussi intérêt à le faire. Ça impacte votre politique d'achat ? Pardon ? Ça impacte votre politique d'achat ? Vous changez vos collections en fonction des retours de ces internautes ? Non, parce qu'on est en bout de chaîne. Là où ça va impacter la politique d'achat, c'est ce que je vous disais, c'est plutôt sur des mock-ups ou sur des choses qu'on leur soumet très en amont, où là, oui, ça a influé des choses. D'accord. Donc je passe vite, c'est la même chose, ça va. Parce qu'apparemment, il faut qu'on a. Voilà, expérience unique d'achat, on va enfoncer des portes ouvertes, mais évidemment, on est persuadé que c'est via le mobile. Donc pour la faire courte, nous, on a une appli mobile non marchande depuis 4 ans. On est dans 5 pays, hein, je vous l'ai dit, en web. Donc le site web permettant d'aller du site internet vers le mobile, et l'appli mobile ayant plutôt la spécificité d'après donner des applications en magasin. C'est un éternel recommencement. On a la fonction scanning depuis 3 ans, donc la possibilité de scanner les produits sans passer par des QR codes et d'accéder à la fiche produit. Pour être clair, c'était un bide pendant 3 ans. Il n'y avait que 1% des utilisateurs de l'appli qui utilisaient la fonctionnalité. Et seulement cette année, comme ça commence à faire le buzz et à se diffuser, là maintenant ça commence à fonctionner. Donc quand on parle de ROI, il faut aussi savoir tenir sur certaines applis et attendre un petit peu et être très humble. Et être patient. Et là, bon, ça c'est un peu aussi une tarte à la crème, c'est ce qu'on se dit, à savoir qu'évidemment, on veut avoir une unicité d'expérience entre tous les supports. Ce que je peux vous raconter aussi, c'est que quand on parle de relations, nous on était persuadés qu'en changeant de device, de mobile, de tablette, on allait changer l'expérience. Et en fait, les clientes nous disent surtout pas. La tablette étant mon deuxième PC, la tablette étant utilisée majoritairement à la maison, je veux retrouver le même site. Et là, c'est pas compliqué, au contraire, ça nous facilite la tâche. Mais en tout cas, d'un point de vue marketing, ça peut être frustrant parce qu'elles n'ont pas forcément envie de surfer, de faire tourner les choses. Elles veulent être sur une unicité. On est dans la même marque, on a la même offre. Donc, c'est à la fois profiter de chaque canal et en même temps être dans la même unicité d'expérience. Ça, c'est une vraie gageur. Merci, Cyril. Voilà. Ah, c'était ça, la tarte à la crème. Vous le voulez, cette diapo ? Ouais. Alors, bon, désolé si j'en heurte certains dans l'assistance. La tarte à la crème de l'expérience client, c'est toutes ces faces immergées de l'iceberg. Si on se contente de... Alors, on va citer des exemples. J'ai pris un exemple qui est l'exemple de Kiabi avec la borne qui ne marchait pas. Les QR codes, enfin, OK, c'est bien, mais des QR codes énormes, quelle utilité pour le client ? Je me pose question. Est-ce combien de temps ça va durer ? Les avatars sur les sites internet, franchement, quand on parle d'émotion et d'expérience unique, est-ce que c'est quelque chose ? On parlait de textile, on parlait de toucher les produits. J'en parle d'autant plus facilement que nous, on l'a pas essayé, mais plein d'enseignes l'ont essayé. Ça reste quand même quelque chose de très, très non émotionnel et non unique pour ma part. Donc le vrai travail de fond, et je vais aller vite, il est plutôt sur tout ce qu'on s'est écrit la slide suivante. Avoir une expérience unique, c'est avoir le même prix partout. Très bien. Sinon, c'est très difficile à comprendre. C'est avoir la même connaissance client partout. C'est avoir une force de vente qui est autant impliquée à la vente sur le web que sur le magasin. Si vous avez des canaux qui sont concurrents, voilà. Donc là, c'est des choix stratégiques. C'est pas très rock'n'roll à vendre. Mais si vous ne travaillez pas ces bases-là, et si vous ne vous persuadez pas vous-même que le client est le même, quels que soient les canaux, ça va être difficile d'avoir une expérience unique d'achat. Merci donc, Cyril, voilà. Olivier, pour tous ces conseils. Alors, vous nous parliez de prix unique, hein, c'était apparemment un point essentiel à vos yeux. On va écouter un autre témoignage, pardon, excusez-moi, qui est celui de Anthony Le Courtès de Le Galet. Anthony, alors, donc, vous êtes plutôt dans la sphère B2B, puisque vous êtes une quincaillerie en ligne, hein, qui vend principalement à des professionnels. Comment vous appréhendez cette problématique un peu de réinventer l'expérience de vos clients ?
Alors, tout à fait. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le Galet, donc, on distribue de la quincaillerie. Je voulais juste commencer par quelques chiffres parce qu'on a tendance à dire que l'artisan n'est pas technophile, voire vieillissant dans la manière de commander. Or, une étude publiée très récemment montre que 60% des artisans ont déjà commandé sur Internet, qu'un tiers de ces artisans disposent d'un téléphone mobile avec une connexion Internet et de 37% d'entre eux l'utilisent sur leur déplacement de chantier. Donc aujourd'hui, notre objectif principal qu'on s'est fixé chez Le Galet, puisque ça fait déjà 10 ans que l'on a mis en place nos outils numériques avec notre site legalet.com, où nos clients peuvent passer commande en ligne, on est parti du principe que le client doit être autonome, avoir de la réactivité pour commander n'importe où et n'importe quand. Donc il n'y a pas que la commande, nous, dans notre stratégie, puisque en B2B, il y a d'autres critères qui rentrent en compte. Il y a le tarif, il y a la disponibilité du produit qui est hyper importante, et la technicité de nos produits. Et aujourd'hui, sur un chantier, le client a besoin de toutes ces informations-là pour faire le bon choix. Donc, tout simplement, nous avons décidé de décliner nos outils il y a quelques mois sur la mobilité. Donc, nous avons mis en place... C'est le slide suivant ? Tout à fait. Donc, le slide suivant, donc, notre stratégie mobile a commencé par d'abord mettre en place un site mobile donc pour tout simplement permettre à nos clients, à partir de leur smartphone, d'accéder à l'offre produit Le Galet et également d'accéder à l'ensemble de leurs infos commerciales, donc historique de commande, devis, tarifs personnalisés, stock de nos produits. Et on ne l'a pas fait ce choix, je dirais, comme ça, par hasard, un beau matin. On s'est rendu compte que sur notre site internet, il y avait déjà des artisans qui venaient sur leur smartphone passer des commandes. Donc on s'est dit, il y a forcément aujourd'hui des clients qui ont besoin d'outils mobiles. Donc on a commencé par le site mobile, puis on a ensuite déroulé en application mobile, donc la slide juste après. Donc, qui est là un projet très récent, puisque ça fait quelques semaines maintenant que nos clients disposent d'applications pour iPhone et pour téléphone Android. Et donc, sur ces applications, le client retrouve vraiment sur son chantier, s'il le souhaite, les mêmes infos que sur le site internet, s'il était le soir sur son bureau ou le matin très tôt. Ce qu'il faut savoir, que l'artisan est quand même le stéréotype de la personne mobile. Il se lève très tôt le matin, il a très peu de temps pour être dans son bureau, il est beaucoup sur le chantier, et donc le fait de lui donner l'ensemble des informations à n'importe quel moment, c'est vraiment un atout majeur pour notre développement, je dirais, dans les années à venir. Donc on comprend bien, ces sites et ces applications mobiles font un petit peu le lien entre le catalogue papier, qui était un peu le passé de votre entreprise, et puis le site web qui n'est pas toujours accessible à un artisan qui est sur le terrain. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on est un métier très traditionnel. Tous nos artisans travaillent avec un outil hyper important qui est le catalogue papier. On a beau développer tous les outils, toutes les fonctionnalités numériques qu'on peut imaginer, nos clients attendent tous les ans son catalogue papier pour mettre dans son camion, dans son atelier plein de poussière. Donc l'idée, c'est vraiment, on s'est dit, plus que le papier est un outil très utilisé par nos clients, pourquoi pas merger les technologies vers cet outil papier. Et donc on a développé une innovation dans nos applications. C'est la slide juste après, qu'on a baptisé le Galet Scan, qui permet donc à tous nos clients tout simplement de prendre en scan n'importe laquelle de nos pages catalogues et d'avoir immédiatement et n'importe où la disponibilité de nos produits, l'ensemble des informations techniques et surtout son tarif personnalisé, parce que c'est une spécificité de notre métier aujourd'hui, c'est que chacun de nos clients a une approche tarifaire différente. Notre catalogue papier a un tarif, je dirais, de façade, et chaque client derrière a des prix selon son métier. Alors, on va revenir dans un instant sur la question du tarif, mais qu'on comprenne bien, il suffit de prendre en photo la page du catalogue où il y a cette visseuse-dévisseuse électrique. Tout à fait. Et non seulement on aura donc des informations sur les produits, mais également de la documentation technique, des choses beaucoup plus complètes que sur le catalogue papier. Tout à fait. Alors, j'explique quand même l'innovation, c'est que dans nos pages, vous pourrez, si vous avez l'occasion d'un jour de regarder notre catalogue, il n'y a pas de QR code, il n'y a aucun tag, c'est vraiment transparent. On est vraiment sur de la reconnaissance visuelle de page. Donc, grâce à une technologie propulsée par LTU, le client peut prendre en photo n'importe laquelle de nos pages et on affiche immédiatement, en quelques secondes, l'ensemble des produits de la page. Et effectivement, le client retrouve son prix net, le stock et de la documentation technique. Sachez que la documentation technique, c'est très, très utilisé par nos clients. Donc, je prends un exemple concret. Je vais prendre un produit un peu compliqué à monter, j'ai besoin d'une notice de montage, je prends mon mobile, je scanne la page, j'ai tout de suite la documentation technique du produit et je peux donc poser mon produit très rapidement chez mon client final.
reconnaissance de produits donc par similarité, je crois. Vous réfléchissez aussi à d'autres technologies, peut-être de la réalité augmentée, comme chez Direct Optique. Alors, on a un rêve, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé la façon de le faire. C'est de permettre à n'importe quel client de photographier un produit en situation pour éventuellement lui proposer le produit équivalent à notre offre. Donc on a beaucoup d'artisans qui travaillent pour faire de la réparation, de la rénovation. Donc une poignée de porte cassée, je la photographie et immédiatement j'ai le produit équivalent du catalogue. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de solution. Mais c'est pas encore possible. Non. Alors tout à l'heure, chez Kiabi nous disait le prix doit être unique. Vous avez pris le parti prix inverse, donc vous nous disiez c'est chaque client qui a son propre tarif. Je pense que tous les prix sont différents. Je pense que c'est une spécificité du B2B, là, pour le coup. On a un référentiel de 42 000 produits, donc il est évident que tous nos clients ne consomment pas tous les produits. Effectivement, le plombier a besoin d'une approche tarifaire bien spécifique, le menuisier une autre. Donc, effectivement, aujourd'hui, chaque client a une approche tarifaire qui lui est propre et qui est propre à son métier. Puis en fonction, j'imagine, de l'historique du client, en fonction du volume d'achat, ces notions de réduction. Après, effectivement, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Et là, on rentre plutôt dans le côté commercial de notre métier, de distributeur de quincaillerie. Très bien. L'innovation dont vous nous parliez, à nouveau, c'est la question du retour sur investissement. Ça s'est traduit par de meilleurs taux de conversion. Alors, comme je le disais, les plus gros paniers d'achat. Les applications sont assez récentes. Donc, parler de retour sur investissement au bout de quelques semaines, c'est compliqué. Moi, je considère que le retour sur investissement, c'est pas forcément que de l'argent, ça peut être de la satisfaction client. Si demain, nos artisans nous disent que grâce à cette application, ils ont un catalogue hyper connecté et ils sont plus obligés de passer un coup de téléphone pour avoir une disponibilité produit et que grâce à LogaleScan et nos applications mobiles, ils ont l'info en temps réel, moi, je serais satisfait et je trouve que le retour sur investissement sera réalisé. Très bien, merci Anthony. On va passer à votre voisine de droite, Pascal Brousse. Alors Pascal, on a beaucoup parlé de ce qui se passait en France, mais vous allez sans doute élargir un peu notre horizon aux best practices aux États-Unis et en Asie, je crois. On va faire un tour d'horizon. Alors c'est pas exhaustif étant donné le laps de temps limité. Il y a des sujets que je n'ai pas abordés, comme par exemple la géolocalisation, parce qu'elle est encore peu usitée chez nous, en tout cas majoritairement chez les jeunes, mais elle est quand même en mineur. Donc, on peut directement, comme j'ai présenté l'agence qui a été fondée il y a 13 ans, juste notre méthodo, elle regroupe évidemment beaucoup de desk research, un réseau de correspondants dans les principaux pays du monde demandés. C'est beaucoup de benchmarks Corée, Japon, Chine, Inde, Europe, US, Brésil, énormément d'interviews d'experts et des interviews de consommateurs. Alors, être présent, l'expérience client sur tout le parcours, le contact cross-canal, ça va être... Alors, on en parle, c'est vrai qu'on en parlait aussi entre nous. On disait qu'en France, ça ne marche pas systématiquement d'avoir ces fameux signaux sur votre device qui vont vous aviser que dès que vous passez à proximité d'une enseigne ou devant une vitrine virtuelle, vous pouvez avoir une récompense... en rentrant et en achetant ou pas en magasin. En tout cas, il y a une application américaine qui s'appelle Shopkick en la matière. Bon, pas mal de vitrines interactives. Et là, c'est intéressant. Bon, je pense que Direct Optique, vous l'avez vu chez Bloomingdale's, quand ils ont testé pendant plusieurs mois d'affilée, on pouvait essayer ces montures directement dans la rue. Donc ça, c'était une expérience assez marrante, totalement décalée. Donc il y avait un ensemble de marques qui étaient présentes. C'était bon. Il y a aussi d'autres choses qui sont faites chez Adidas. Vous avez des chiffres sur ces expériences chez Bloomingdale's? Combien de personnes se prêtent au jeu? C'est très compliqué d'avoir derrière de récupérer des chiffres en la matière. Ils sont plutôt, ils communiquent pas beaucoup en data. Voilà. Il y a de l'accueil et de l'indication qui peut se faire par des hologrammes. Bon, ça a été le cas dans le flagship près de Wall Street à New York de Duane Reade, qui a été complètement refait en la matière, le drugstore. Donc la jeune femme que l'on voit sur l'image du bas, en réalité, n'existe pas. Elle n'existe pas. C'est un hologramme, c'est une représentation. Alors, elle parle, elle vous accueille, elle vous dit tout ce qu'il y a en boutique, elle interagit avec vous. Absolument. J'imagine que ça surprend positivement les clients. Oui, assez. Et ça a fait beaucoup de buzz, surtout. Alors après,
bon, c'est toujours pareil quand on va sur place. Est-ce que ça fonctionne ? C'est peut-être ça le ROI, créer le buzz en surprenant le consommateur. Pour le moment, c'est ce qu'on se dit, ça crée surtout beaucoup de buzz. Ouais. Et il y a tout le conseil connecté aux data des clients. Alors, il y a une appli qu'utilisent les BIES, les conseillers de Sephora, qui permet de savoir tout l'historique du client. Bon, ça, c'est la mine d'or des années à venir. Il y a aussi le Customized Service, le 360 de Burberry. Moi, je dirais juste également que quand on utilise des appareils ou des devices en magasin, attention à la formation. Là, je ne l'ai pas mis là, mais pour moi, c'est un point clé. J'ai eu une expérience récente dans un flagship de Paris en cosmétique. Il y avait justement un appareil qui permettait d'avoir la bonne couleur, la tonalité de fond de teint adaptée à votre teint. Donc une sorte de Pantone dans toutes les marques présentes dans le point de vente. Donc il y avait l'affiche qui le mettait en scène. Alors moi, je demande automatiquement à la conseillère de pouvoir en bénéficier. Eh bien, elle ne connaissait pas. Donc, elle a passé 10 minutes à essayer de dépiauter l'appareil, alors plus ou moins en se cachant. Bon, là, vous avez votre expérience qui est loupée. Donc attention à pas trop de technologie. Oui. Si les humains sur place ne suivent pas, ça se retourne contre la marque. Faire vraiment attention jusqu'en boutique. Alors, c'est plus difficile, évidemment, quand on est en multimarque, mais de vérifier jusque-là, mais c'est quand même clé. Hein. Sur toutes les initiatives que vous listez là aux États-Unis, il y en a qui ont véritablement... marquer le business de certaines enseignes. Bon là on va passer page suivante si vous voulez bien. Il y a aussi beaucoup de SAV sur Twitter, hein, mais chez nous il y a BNP. C'est quoi un SAV sur Twitter? Service après vente. Vous voulez être renseigné ou alors vous êtes en magasin à New York par exemple, la deuxième enseigne de Crate & Barrel, l'équivalent d'Habitat. Vous pouvez envoyer directement vos tweets au directeur général de la boutique. Oui. Qui est supposé vous répondre, de la boutique. C'est un coup de communication. Le directeur général, il n'a pas que ça à faire de répondre à chaque tweet d'un client. C'est quand même. Dit, vous savez, on est aux États-Unis, vous avez intérêt à assurer derrière. Donc, bon. Je doute que cela soit scalable, on dit. Mais en tout cas, il y a de plus en plus d'initiatives sur Twitter à ce niveau-là, ou des réductions. La Darty a fait toute une offre. Plus on tweetait, plus les produits baissaient en coût. Alors, dans l'optique séduction, c'est plutôt les marques de luxe. On est dans des sites marchands, mais qui peuvent devenir de véritables musées digitaux. Victor & Rolf l'avait déjà fait il y a 3-4 ans. Là, il y a Prada qui est intéressant. Les marques, il y a des marques qui n'avaient pas de boutique en propre, qui essayent de se réapproprier aussi les choses. Donc il y a eu l'ouverture récente de, par exemple, de Bourjois, Roger Egalet qui vient d'ouvrir rue Saint-Honoré après avoir ouvert au Brésil, même Stabilo a sa boutique en Autriche. Voilà. Puis il y a beaucoup de merchandising qui parfois est élevé au rang d'œuvre d'art, comme on a vu Selfridges et l'artiste portugaise Vasconcelos qui était à Versailles. Et puis j'ai une dernière slide également sur tout ce qui est rapidité et le côté pratique. Alors évidemment c'est les commandes en préalable. Je pense que vous avez entendu parler de Starbucks où vous pouvez arriver en magasin. Bon, c'est assez jouissif, vous n'avez pas à prendre la file, hein. Vous allez directement récupérer ce que vous avez commandé. Et en plus, c'est gratuit si dans votre temps de réveil, vous allez chercher votre café ou votre thé une demi-heure après le réveil. Donc ça, c'est pour ceux qui ont du mal à se lever le matin. Et ce qui est très intéressant, c'est la vérification des stocks aussi, parce que ça permet de jamais lâcher son client. Vous êtes chez Bloomingdale's ou vous êtes chez Nordstrom. Rayon de chaussures immense, voilà, vous voulez tout de suite sur son terminal, la conseillère est capable de vous dire si votre pointure est là, si la couleur est là. Voilà, c'est comme l'encaissement mobile qui se pratique aussi beaucoup chez Sephora US. Et du coup, elle ne quitte pas le client, elle reste à son contact. Voilà. Donc ça, c'est... Elle vend plus de chaussures ? Elle est supposée, oui, puis surtout elle ne disparaît pas pendant 10 minutes dans les réserves, quoi. Voilà. Et ce dont je n'ai pas parlé aussi, mais qui se développe pas mal, c'est effectivement ne plus avoir les produits, toutes les tailles exposées en magasin. Hein, ça, vous l'avez chez Marks & Spencer, dans certaines boutiques en Angleterre. Vous l'avez chez Uniqlo au Japon. Donc, il n'y a que quelques articles de présentés.
et les tailles, vous les commandez vous-même. Et là, tout réside dans le choix de la livraison. C'est-à-dire que vous avez le choix de vous faire livrer en magasin, chez vous, ou dans un autre, sur un autre point de vente. Donc là aussi, on voit bien, au travers de ces différents exemples, comment le conseil se transforme et le rôle de la, surtout de la conseillère, et que jusqu'au point de livraison, c'est un point de différenciation pour l'acte d'achat. Et, bon, il y a le succès du drive hein, chez nous. Alors, Pascal, donc vous avez listé énormément d'initiatives hein, qu'on peut voir aux États-Unis, mais il se pose aussi toujours la question du retour sur investissement, parce que multiplier les services aux clients, c'est bien, mais est-ce que le marchand s'y retrouve ? Il y a eu la communication notamment d'Auchan qui était extrêmement bonne sur le paiement biométrique. Ça a été les premiers au monde à l'instituer sur deux points de vente. Et 90%, ils avaient des taux extrêmement forts. Hein, 90% des clients étaient OK avec ce système. Voilà. Après, retour sur le ROI, là, j'ai peu de données à ce niveau-là. Il faudra mieux interroger les marques et les enseignes. Bon, on va rebondir. Donc, du coup, merci en tout cas pour ces cinq premières présentations. On va faire un petit tour de table un petit peu avec vos réactions aux présentations des uns aux autres. Mais j'ai quand même l'impression, je ne sais pas qui veut répondre, peut-être Patricia. La question du ROI, ça reste une question compliquée. Il y a beaucoup d'initiatives, hein, le mobile, les réseaux sociaux, des technologies comme la réalité augmentée, des problématiques de pricing unique, beaucoup d'innovations sur le point de vente. Mais finalement, quid du ROI ? C'est la question la plus compliquée aujourd'hui ? On n'est pas capable de mesurer ça ? J'allais dire oui, moi c'est une question effectivement qui à la fois me passionne et m'amuse aussi beaucoup. Hein. Vous vous doutez bien que vu mon niveau d'expérience, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai vraiment le ROI, ça fait 30 ans que je suis ROIste. J'ai connu au début un ROI très facile, à l'époque du print, on envoyait un catalogue, on envoyait un email, on pouvait très facilement calculer une marge par commande, une marge par message, voilà, c'était la belle vie, c'était facile, voilà. Et vous allez me dire qu'à l'heure de l'internet et du big data, on ne sait pas mesurer ça. Ah non, alors, avec l'internet, bien sûr, je dirais, avec le e-marketing, c'est facile, je dirais, c'est un peu pareil, on envoie un email, on peut descendre un compte d'exploitation, on a les taux d'ouverture de clics, le chiffre d'affaires généré, c'est très facile aussi. En boutique, bien sûr, comme je vous disais, c'est facile, on fait des promotions, on met des codes, voilà, parfait. Où ça se complique, on en parlait rapidement tout à l'heure, c'est avec les réseaux sociaux. Et c'est vrai que la difficulté, et j'en parlais aussi avec certains autres participants, c'est de faire changer les mentalités en interne dans l'entreprise sur le ROI, notamment les mentalités des directeurs généraux, directeurs financiers, etc. On parlait de Facebook. Bien sûr, Facebook, j'ai bien sûr la préoccupation de mesurer le ROI, mais le ROI, c'est quoi ? Et là, ça peut pas forcément être un chiffre d'affaires direct. Ça peut l'être dans des cas peut-être très particuliers, si je fais une opération de promotion, si ce n'est que Facebook est finalement pas très adapté aux promotions. Mais donc, c'est des taux d'engagement, c'est des taux de reach, c'est des nombres de likes, etc. Voilà. Donc, il faut, voilà, pour conclure là-dessus, je pense qu'il faut plus vouloir aujourd'hui vouloir absolument calculer un ROI financier, et il faut donc une évolution des mentalités en interne. On a vu dans les autres projets qu'il y a pas mal d'initiatives dans le mobile, les tablettes, ça sera un des prochains chantiers aussi pour UCPA ? Alors, c'est un vaste sujet, c'est-à-dire il est bien évident qu'on a tout à fait conscience que la tablette, le mobile explose en utilisation. Surtout avec une cible comme la vôtre. Surtout sur notre cible. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un petit peu limité. Je vous disais, on est une association. Alors attention, on fait des tas de choses fantastiques, mais on est un petit peu limité au niveau budgétaire. Donc c'est vrai que mobile, tablette, moi je le travaille aujourd'hui surtout en prospection. C'est-à-dire on fait des grosses opérations de prospection via des jeux concours. Donc là, on peut travailler en responsive design. Hein. Je vais pas vous expliquer, mais je pense que vous en avez tous entendu parler. Et là, donc, qui dit responsive design dit qu'effectivement nos jeux concours sont tout à fait accessibles sur tablette, sur mobile. Puis tout simplement dans le partage d'expérience aussi de vos clients sur peut-être leur lieu de vacances. Oui, alors effectivement, là c'est facile avec Facebook, effectivement, je vous ai dit, bon, il y a Facebook, mais il y a aussi les tweets, donc on peut supposer qu'effectivement ça se fait avant tout en direct des mobiles, mais effectivement, quand je disais, voilà, on est un petit peu freiné dans notre élan, c'est plus par rapport à notamment UCPA.com, qui aujourd'hui n'est pas en responsive design, mais qui devrait l'être très bientôt, j'espère. Très bientôt, voilà. En tout cas, merci. Emmanuel, aussi un petit mot, on a entendu pas mal d'initiatives dans les réseaux sociaux, moi j'ai le sentiment qu'il y a peut-être des choses aussi à faire de votre côté pour améliorer le partage, je sais pas, d'une jolie paire de lunettes qu'on a envie de partager avec son réseau, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez ? Alors ça c'est un sujet, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, Facebook c'est plutôt l'aspect communautaire.
On est une petite marque, une marque qui est toute nouvelle, sur un créneau assez tendu. Et ce qui s'est passé, je vais vous donner une petite anecdote. On s'est fait attaquer par des opticiens traditionnels qui étaient contre notre solution. Et ce sont nos Facebookers qui nous ont défendus. C'est tombé un dimanche, j'étais pas devant mon ordinateur. Et nos clients nous ont dit, mais non, ils ont répondu aux opticiens en disant, on n'est pas des faux profils, on est très contents de la solution. Et d'ailleurs, on la recommande à tous nos amis. Donc, on parle. Est-ce que vos concurrents vous ont accusé d'avoir de faux fans? C'était l'attaque en tout cas, et c'est cette communauté qui a répondu directement. Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment le rêve quand vos clients deviennent vos ambassadeurs. On parle de ROI. Pour des sociétés comme la nôtre avec des moyens limités, on travaille beaucoup la fidélisation. Donc arriver à offrir l'effet wow, surenchérir sur la qualité de votre prestation pour que le client devienne votre ambassadeur. Et c'est grâce à ça qu'on arrive avec peu de moyens à avoir une communauté de plus en plus importante et être rentable. Cyril Olivier, avec 1,3 million de fans, c'est pas tous des ambassadeurs, mais j'imagine qu'ils vous aident aussi à promouvoir votre marque. Oui, j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que mes petits camarades ont dit, puisque effectivement, on parle d'émotion. Enfin, vraiment, si on se parle d'expérience unique, c'est quelle émotion je propose. Et sur les médias sociaux, ça va être une émotion évidemment plutôt onirique sur du textile, mais ça va être aussi une émotion sur du traitement de litige, sur des choses un peu plus basiques. Et on a eu il y a pas très longtemps, c'est anecdotique, mais le ROI se calcule aussi en quelle catastrophe ou quel non-ROI j'aurais si je n'accompagnais pas les clients là-dessus. Des histoires de problèmes de marge, des histoires de non-qualité, qu'avant on avait besoin d'un temps fou pour s'en rendre compte parce qu'il fallait qu'on fasse des visites en magasin. Bah, tout ça, les clients nous le remontent. Donc soit on le voit comme quelque chose de négatif, soit on le voit, et là-dessus les US sont quand même beaucoup plus enclins à l'écouter. Ils disent qu'un client qui se manifeste, que ce soit positivement ou négativement, c'est déjà un client qui nous manifeste un intérêt. Vous pensez quoi de tous les exemples qu'a donné Pascal, de ce qu'il peut faire aux États-Unis? Ça vous donne des idées pour enrichir vos propres magasins? Alors, clairement, dans les exemples, Starbucks est une référence. Hein, si on parle de référence, pas dans mon domaine, Starbucks, l'expérience de Sephora dans certains magasins en cross-canal est une vraie référence aussi. Après, voilà, j'ai dit ce que j'en pensais des hologrammes et des choses comme ça. Je pense que c'est plus du buzz que du ROI. Il peut y avoir un retour sur investissement. Voilà, parce que si vous êtes le premier à le faire, tout le monde en parle, voilà. ça peut être ça, voilà. Le ROI. Mais sur le mobile, par exemple, de se poser la question du mobile, je pense que sur le mobile, il est en train de se passer exactement, et j'en parle d'autant plus facilement que ce n'est pas notre domaine, que la même chose qui s'est passée sur le drive pour les alimentaires. Il y a ceux qui se sont posés la question de la cannibalisation et ils ne l'ont pas fait. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? On voit les enseignes qui sont fortes sur le drive et elles ont capitalisé sur leurs chiffres, et elles ont plutôt des chiffres en croissance, et elles actent le fait qu'il y a une part de cannibalisation, et il y a celles qui ont pris le retard et qui ne l'ont pas. Sur le mobile, on est obligé de suivre nos clients, et c'était mon dernier slide qui était d'une petite enseigne américaine et je l'ai photographié. L'expérience Unix, ils l'ont écrit, c'est être là où vous êtes, donc c'est écouter les clients. Et on l'a dit, nous, nos clients vont tellement vite sur le mobile, partout, que la question ne se pose même pas du ROI. On est obligé de les suivre. Et leur proposer une expérience unique, c'est leur proposer une expérience la plus confortable possible, quels que soient les médias. Mmh. Et sur les réseaux sociaux, bah voilà, on a tout dit, on avance beaucoup en qualité, on est sûr d'être meilleur en qualité, en interagissant avec nos clients, on en est persuadé. Mmh. Anthony, un dernier mot aussi, vous avez beaucoup parlé de mobile, relativement peu des réseaux sociaux. Quand on a une cible B2B, c'est compliqué de travailler sur cet axe-là. Effectivement, les réseaux sociaux, pour nous, c'est pas notre priorité aujourd'hui. Facebook, Twitter, c'est pas vraiment des outils qu'on peut utiliser. Il y a des réseaux pro comme Viadeo, LinkedIn, mais j'imagine qu'ils sont mais pas voilà, plus les dessus. Artisans sont pas trop sur les réseaux sociaux professionnels aujourd'hui. En tout cas, je ne connais pas de réseau social d'artisans, en tout cas, c'est sûr. En tout cas, je voulais faire une remarque. Vous pourriez peut-être le devenir, ça pourrait être un axe de communication. Ça peut être une idée, oui. Ce que je voulais dire, c'est que dans tous les intervenants qu'on a aujourd'hui, on a vu qu'on avait quand même des clients assez différents. Je pense que je rebondis sur ce que disait Cyril, c'est qu'il faut adapter sa stratégie aux clients. Nous, on a développé la mobilité pas pour se faire plaisir, mais juste qu'on a, voilà, on a fait un constat. On a des commandes mobiles qui passent sur notre site alors qu'on n'a pas d'outils mobiles. Nos clients sont avant tout mobiles toute la journée sur le terrain, donc ça nous paraît évident de faire des outils mobiles. Il ne faut pas se dire c'est la mode, je vais faire un site mobile, je vais faire une application mobile parce que tout le monde en a. Je pense qu'il faut d'abord analyser le process d'achat de ses clients, voir l'utilité qu'ils vont avoir de l'outil, et je pense que là le ROI du coup est garanti, quoi. Et j'insiste aussi sur le ROI, qu'on n'est pas toujours sur un ROI financier.
on est aussi sur, à la recherche de la satisfaction client. Et ça, c'est très, très important. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas uniquement calculer le ROI financier. Quoi. Mmh. Pascal, je vais vous laisser le mot de la fin. Dans le fond, donner une, proposer une expérience unique à ses clients, c'est tout simplement les écouter. Les écouter jusqu'au bout. On n'a pas parlé du bad buzz. C'est jamais intéressant forcément de raconter les expériences un peu plus difficiles. Mais justement, les bad buzz, c'est quand on n'écoute pas assez ses clients. Les bad buzz qui se passent sur les réseaux sociaux, et justement ceux qui réussissent, c'est ceux qui ne lâchent pas. Hein, jamais les consommateurs qui réclament, qui les tiennent tout le temps au courant, toutes les heures des actions qu'ils sont en train de mener. Et pour moi, l'une des pires réponses, c'est ce qui vient de se passer dernièrement là, avec le PDG de Hollister. Bon, vous avez Abercrombie, vous avez sûrement suivi tout ce qu'il relatait sur le fait qu'il ne voulait pas vendre de vêtements, enfin qu'il vendait juste, en bref, aux jeunes personnes belles et sveltes, hein, on va le dire comme ça. Et donc, il s'est fait violemment attaquer pour, et qui se trompe de canal pour répondre. C'est-à-dire, il est attaqué sur les réseaux sociaux. Il répond à la télé. Bon, c'est juste un peu préhistorique, quoi. Très bien. En tout cas, merci à tous les cinq pour cette plénière de clôture sur l'expérience d'achat. Je vous libère et je vous souhaite rendez-vous l'année prochaine pour le salon e-commerce Paris 2014. Au revoir à tous. Merci.